Et bien bonjour tout le monde les amis, c'est Titi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite sur America Truck Simulator, ça faisait un moment qu'on n'était pas allé dessus. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons aller sur un petit peu sur ETS, voilà, ça fait plaisir de retourner dessus. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo effectivement. Ça remontait un petit peu. Aujourd'hui petite cargaison, donc nous sommes à Tucson. Donc déjà on peut voir qu'il y a toutes les routes sont comme ça, voilà, elles sont en grisé, donc c'est-à-dire qu'elles sont pas découvertes. Pourquoi? Et parce que tout simplement, il y a une mise à jour d'un ATS qui tout simplement a agrandi la map. Vous pouvez voir que la map est beaucoup plus grande qu'avant. Avant elle faisait que ça pratiquement. Et maintenant regardez comment elle fait. Voilà, c'est monté beaucoup plus haut. Et du coup les routes, on les a été ou rallongées ou alors elles ont été, voilà, elles ont été beaucoup plus rallongées. Donc du coup, tout est à revoir. Je suis qu'à 0,21% de la map, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait toujours les villes, ça ne change pas. Et apparemment on a une petite ville qui s'appelle Santa Maria qu'on essaiera d'aller visiter un peu plus tard par la suite. Allez, c'est parti. Hop, on met sur le camion, on dirait dans le camion. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre. Donc une cargaison de 327 km pour commencer. Donc oui, j'ai aussi changé de camion. J'ai pris un petit Kenworth, donc j'ai pris un Kenworth, je sais pas comment vous le dites, je m'en fous complètement. Mais sauf que je l'ai un petit peu modifié, voilà, j'ai mis la petite cabine avec 625 chevaux sous le capot, je crois une boîte 6 vitesses. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et marche arrière. Voilà, et je peux pas avoir au-delà de 6 vitesses, ce qui est très très bien, ça marchera très bien. Donc comme ça, j'ai pas besoin de passer de palier, on va dire. Et 625 chevaux avec une petite peinture rose et bleue, voilà, ça me faisait plaisir, ça fait joli. Bref, c'est parti. Et un petit volant que voilà, parce que j'ai le DLC des volants sur ATS, donc du coup j'ai décidé de le modifier un petit peu. Ah oui, c'est vrai que là du coup les vitesses elles passent lentement. Bref, j'espère que ça va bien se passer ce trajet, parce que j'ai fait un trajet juste avant et c'était la catastrophe totale. Mais quand je vous dis que c'était la catastrophe, c'est plus que la catastrophe quoi, c'est... je suis tombé sur deux gros kikous qui s'amusaient à me klaxonner par derrière, etc. Bref, tout un bordel, c'est pas bien grave. Donc déjà, pour commencer cette vidéo, déjà, je vous souhaite une très très bonne année 2017, parce que nous sommes enfin en 2017, voilà. Bon, pour ceux qui voulaient être en 2017, j'y avoue. Mais bonne année 2017 à tous, bonne santé, enfin bref, plein de bonheur, enfin, tout ce qu'on peut souhaiter pour cette nouvelle année. La réussite pour les examens, par exemple, si vous passez encore des examens cette année. On va s'arrêter au feu rouge. On va s'arrêter au feu rouge. Et bien sûr, le feu, le camion s'éteint. C'est long, hein. C'est très très long. Ah mais c'est pas trop tôt. Hop là, on monte à les vitesses, parfait. Donc je vous souhaite à tous une très 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 bonne année 2017, plein de bonheur, bonne année, bonne santé, la réussite, la joie, la bonne humeur, bref, tout ce qu'on peut souhaiter. Bonne année à tous. Donc nous allons commencer cette nouvelle année. Alors j'ai décidé de prendre des résolutions, voilà, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, j'ai essayé de prendre un petit peu... des résolutions, voilà, je vais essayer de prendre des résolutions pour cette année sur ma chaîne. On va un petit peu modifier la chose. Je vais vous expliquer tout ça. D'abord on va monter sur l'autoroute. Bon là j'ai le droit parce que en Amérique on a le droit de tourner à droite qu'elle fait rouge, même qu'elle fait rouge, donc j'en profite. Ah ben en fait on rentre sur l'autoroute pour ressortir, mais ils se foutent de ma gueule. Alors oui, du coup des routes ont été rajoutées. Et ça, ça peut être néanmoins bien sympatoche. On va voir ça. On va voir ça. Donc, je pense que je... Ne vous inquiétez pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'ATS. Je sais qu'il y en a qui en réclament. Bon, il y en a peu qui en réclament. Mais il y en a quelques-uns qui veulent voir des vidéos dessus. Vous inquiétez pas. J'en ferai quand même. J'en ferai moins maintenant. Parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de monde. Attendez. Si je fais la commande. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Magnifique. Si je fais ça. D'accord. Il me reconnaît pas la commande. C'est quoi ce bordel? Voilà, slash P. On peut voir qu'il n'y a que 275 personnes. Donc ça veut tout dire.
Il y a très très peu de personnes sur ATS, voilà, donc si il y a un gros DLC qui sort, un truc comme ça, j'y retournerai vraiment. Mais sinon, je fais juste ça, voilà, je fais juste... Ah, il y avait un petit panneau lumineux là, bien sympa. Ah, c'est joli ça. Ça, c'était pas avant. Ouais, ils ont un petit peu amélioré les choses sur ATS, à ce qu'on peut voir. Ça peut être bien sympa. Ah, les routes, ah ça, cette route, on n'avait jamais vu. Enfin, si on l'avait vu, mais... Voilà, ils ont un petit peu amélioré. Vous voyez, il y a des petits panneaux en plus, il y a de la végétation, bref. Ça a bien changé. Et c'est bien sympa, voilà. Un petit retour sur ATS qui fait du bien. Je suis bien sûr tout seul. Parce que, en fait, je tourne cette vidéo un petit peu en avance, parce que tout simplement, cette vidéo, vous la verrez le 1er janvier, mais je la tourne le 30. Voilà, je la tourne deux petits jours avant, histoire de pas être trop en retard, ni trop en avance non plus. Voilà, je la tourne juste deux jours à l'avance, le temps de faire la montage sans me brusquer, de faire la mise en ligne sans me brusquer tout simplement. Et puis voilà, sans besoin de faire tourner le poussé à fond pour, ouais, vite, faut que ce soit en ligne pour le truc comme ça. Voilà, je prends le temps, je prends un jour, un à deux jours d'avance et puis voilà, comme ça on est tranquille. Ah, franchement, ATS, c'est vraiment bien quand même. J'avais perdu l'habitude de jouer à ATS, parce que j'étais sur ATS 2 là, avec le DLC France, là j'étais à fond dessus. Mais ATS maintenant j'ai retrouvé l'envie d'y jouer. Voilà, je retrouve petit à petit, donc pas encore à 100%, mais je retrouve petit à petit l'envie d'y jouer. Je retrouve petit à petit l'envie, ça me plaît. Ça me plaît un petit peu. Alors là, dans cette première partie de vidéo, là, donc là, on peut voir que les kilomètres, c'est pareil que test de maintenant. C'est-à-dire que l'échelle, la map s'est agrandie parce que tout simplement, l'échelle du jeu a changé. Elle n'est plus en 1, alors je sais plus exactement, mais avant elle était plus petite que par rapport au test 2. L'échelle de sur ATS était plus petite par rapport au test 2. Et là ils l'ont mis pareil que test 2, c'est-à-dire que maintenant les échelles du jeu sur les deux jeux c'est la même. Donc du coup c'est mieux quoi, c'est mieux, voilà, c'est beaucoup mieux, la map est plus grande et il y a plus de trucs, donc ça donne envie d'y jouer. Même si on a tout découvert, voilà. Mais bon, j'en ferai un solo. Un solo, je pense que je roulerai un solo tranquillement pour visionner d'autres vidéos, pour rouler tranquillement de mon côté. Je pense que ça sera sûr et certain. Concernant la ville là que je vous ai dit, Santa Maria ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ce qu'on fera, c'est qu'après on prendra la voiture. Oui, parce que j'ai toujours la voiture. Et je me suis dit pourquoi pas la prendre et on ira visiter Santa Maria. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Allez, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de prendre des résolutions avec vous pour 2017. Et je voulais faire quelques petites annonces. Ça fait quelques petits... Nickel. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Alors voilà, ça, le deux roues, c'était sûr que ça allait arriver. Le deux roues, c'était sûr et certain, les amis, c'était sûr. Regardez, la route 77 et tout. Ah ouais, ça a été un petit peu modifié, c'est même bien modifié. Bien modifié, bravo GGSS, c'est très très joli. Non, c'est très très joli à pas dire. Regardez-moi les canyons là. Alors, je pense qu'on l'a peut-être découvert une fois, mais ça, j'ai pas l'idée que je les ai déjà vus, ça. Enfin, j'ai pas l'image dans ma tête que je les ai vus, ces trucs comme ça. Alors, peut-être que je faisais jamais attention. C'est fort possible. Mais bon, j'ai quand même un doute. Oui, bon, revenons au sujet de la vidéo, parce qu'on est en train de partir en cacahuète, comme tout le temps, d'ailleurs. Ça y est, j'ai perdu le dos. Oui, voilà, les résolutions. J'ai décidé de prendre comme résolution, déjà, sur ma chaîne YouTube. C'est que pour ma chaîne YouTube. Après, les résolutions perso, pour 2017, j'en parle pas, c'est ma vie privée, et ça restera ma vie privée. Mais concernant YouTube, je vais essayer déjà de m'améliorer niveau contenu, niveau game, niveau commentary. Parce qu'il y a beaucoup qui me répètent, que je me répète justement, il y a beaucoup qui me disent que je me répète en fait, que je dis salut tout le monde, c'est Titi, enfin pas ça, mais surtout... Nickel, tout va bien. Il y en a surtout qui me disent, ouais Titi, tu répètes chaque fois, j'espère que vous allez bien, et c'est vrai. Regardez mes vidéos, je me rends compte, mais putain, mais pourquoi je répète ça à chaque fois? Alors que ça n'a pas d'utilité, bordel de merde. Ça n'a pas d'utilité, oui, je m'en rends tout à fait, je m'en rends bien compte. Je suis tout le temps en train de répéter la même chose.
et je pense que ça doit saouler un bout de moment. Voilà, comme là justement, voilà, voilà, je viens de faire ça. Bref, non, non, je vais essayer de m'améliorer niveau, sur ce niveau-là. Je vais essayer de m'améliorer parce que, en fait, c'est pas moi qui... Je le fais, mais sans le faire exprès. Putain, mais... C'est vrai que j'ai une petite remorque et un petit camion, donc ça a tendance à vite partir en couille, en fait. Je vais essayer de faire plus attention. Et je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de vous montrer plein de jeux. C'est-à-dire que maintenant, là, vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent. Il y a déjà... Il y a toujours OTS2, ATS, Farming, je laisse un petit peu de côté pour le moment parce que j'ai déjà fait 40 heures en l'espace d'un mois. Bref, j'ai fait très... J'ai geeké comme un gros porc dessus, donc maintenant, ça m'a un petit peu lassé. Donc maintenant, j'ai décidé de tout simplement laisser un petit peu de côté. J'y retournerai très très prochainement. Ne vous en faites pas, une vidéo va bientôt sortir dans les semaines qui viennent. Mais tout ce qui concerne les autres jeux, comme il y a Fernbus, d'ailleurs que je vais en parler un petit peu après parce que j'ai un truc à dire sur Fernbus. Sur Fernbus, pardon. Vous pouvez voir qu'il y a du Seto Corsa, il y a du Scram Mécanique qui arrive très prochainement également. J'ai plein de petits projets en tête pour cette début de l'année. Oui, 2017, voilà, c'est ce que je voulais dire. Des petits projets en tête qui trottent par-ci par-là, donc j'espère que je vais pouvoir accomplir tout ça. Parce que j'ai envie de vous montrer, tout simplement. J'ai envie de vous montrer ce que je manigance. Voilà. On va passer quand même à la sixième. C'est pas une mauvaise idée. Non, ça c'est la marche arrière. Voilà, j'appuie sur le levier, c'est ce que je pensais. C'est la sixième, j'en marque. C'est pas la marche arrière. Non, vous voyez. Bon, il y a personne, hein, on a rencontré personne. Je pense qu'on rencontrera personne ici parce que tout simplement, eh bien, il y a très peu de joueurs, malheureusement. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de joueurs. Et bon, tout le monde, alors ici, t'as personne, t'as que deux serveurs maintenant, il faut savoir sur ETS. T'as que le serveur Europe, Europe 2, et le serveur US 1. C'est tout ce qu'il y a comme serveur, il y a que deux serveurs, et tous les autres serveurs, avant il y en avait 3 ou 4 sur ETS. Et tous ces serveurs, les deux serveurs qu'ils étaient trop sur ETS, ils les ont fait passer sur ETS 2. C'est-à-dire que maintenant sur ETS 2, on a 6 ou 7 serveurs, parce qu'il y a énormément de monde. Sur ETS 2, c'est là où il y a le plus de peuple. Voilà, c'est là où il y a le plus de peuple. Par exemple, j'ai joué l'autre soir avec Evangelus. Qu'on avait fait un petit convoi tranquillou à deux. Et tout simplement, eh bien, quand on s'est connecté, eh bien, déjà le serveur Ritro il crache à mort. Bon, ça, c'est logique, c'est, je comprends pourquoi. Mais il y avait énormément de monde. C'est-à-dire que déjà deux serveurs étaient full. Deux serveurs complets. Complets. Et après il y avait un troisième serveur qui était pratiquement full. Et ouais, en tout il y avait à peu près 3 serveurs de full en tout quoi. En comptant tous les joueurs sur tous les serveurs, on pouvait monter bien à 3 serveurs de plein. C'est beaucoup. Je dis bien c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup. Attendez, ce que je vais faire, la petite photo de fin. Ouais, je sais, je m'arrête au milieu de la route, mais bon, il n'y a personne. Donc, je ne gêne personne, hein, parce qu'on m'a dit que l'autre fois je m'étais arrêté plein milieu de la route, je gênais quelqu'un alors qu'il y avait personne. Voilà, non non, mais si je m'arrête et qu'il y a personne, de toute façon en plus il y a largement la place de passer, donc voilà, ouais. Je pense que là il y a personne n'a besoin de gueuler pour ça. Hop, on passe la première et on repart. Ah oui, c'est des vitesses longues, hein, c'est sûr, hein, parce que c'est une 6 vitesses comparé à la 18 vitesses que j'ai sur mon autre camion, sur mon autre W900, mais en version un peu plus longue niveau cabine. L'autre il a 18 vitesses, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus chaud. Que c'est vrai qu'à 4 vitesses c'est beaucoup plus simple. Je pense que je vais peut-être le passer à 6 vitesses mon camion. C'est même pas que je pense, c'est même sûr, parce que ouais, c'est facile. C'est beaucoup simple en 3 vitesses. Hop là. On va s'arrêter là. Entrée, donc là on va mettre le camion ici. Allez, on va se garer. Et après on va aller chercher la voiture les amis. Allez, recule.
Hop là. Non. Voilà. Voilà, moigna. Parfait. Bon travail. Oh, merci. Vous me flattez. Bref, maintenant on va chercher la voiture. Je vais pas faire d'ellipse parce que j'ai la flemme, mais... On va prendre la petite voiture. On va l'améliorer. Attendez, elle est comment? Oh, elle est sympa. Voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est quoi comme moteur? Que ça me casse pas les oreilles. On va mettre un TDI. Je sais, je suis un diesel. Je sais. Ne me tuez pas pour ça. Ne me tuez pas pour ça, les gens. Arrêtez de me tuer. Je suis un diesel. Et alors? Alors, attendez. Elle est où, Santa Maria? On va se faire TP directement. Eh bien, on va rester ici. On va rester... du coup, non. Je suis à Los Angeles directement. Si je réfléchis bien. Alors, par contre, ouais. Par contre, juste... juste ce que je vais faire, je vais monter un petit peu dans le siège. Ah, vous voyez, là, le volant, par contre, il réagit pas, quoi. Le volant ne réagit pas. C'est bien dommage. Voilà, parfait. Alors c'est rare que je conduise à la boîte à hache avec la voiture. Parce que j'ai pas encore utilisé... Ouais, par contre c'est les freins qui sont merdiques. Ça c'est bien ce que je pensais. Alors attendez, ce que je vais faire. Hop là. On va aller visiter Santa Maria, les amis. On va aller visiter Santa Maria. Il n'y a pas de garage à Santa Maria. Non. Mais écoutez, je vais faire... On va faire ça. On va passer par là. Par là. Et voilà. Comme ça, on fera l'aller-retour. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, il est con, ce truc. Mais t'es con, hein. Ouais, bon, là, elle a compris. Elle a compris à peu près. Allez, c'est parti. Hop. On écoute. Une petite voiture qui fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la voiture. Et n'empêche, c'est toujours bien sympa de prendre la voiture. Parce que j'ai pas l'habitude de la conduire, en fait. Disons que déjà, ça se renverse beaucoup plus vite que le camion, pour commencer. Et mais n'empêche, c'est plus rapide. Ah, il faut peut-être passer la vitesse. Regardez-moi que c'était l'accélération de folie. Mon Dieu. Bref. Voilà, donc en gros, il va y avoir des petits changements sur la chaîne. Aussi, je l'ai oublié d'en parler, il va sûrement avoir le style de la chaîne qui va changer également, parce que ça fait depuis un an, voire deux ans que je me traîne avec ma bannière YouTube. Peut-être que mon logo suivra, je ne sais pas, pour l'instant je sais pas, il faut que je trouve quelque chose pour le remplacer, un truc bien sympa, dans le genre pour le remplacer. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, et si j'ai envie de le changer, ben je le changerai, écoutez, c'est tout. Oui, j'allais parler aussi de Fermus. J'allais oublier. Je voulais vous demander si ça vous intéresserait d'avoir une série sur Fermus Simulator. Parce que j'ai vu que la vidéo découverte vous avait plu énormément. Vous étiez pratiquement le double à regarder la vidéo par rapport aux vidéos de classique sur ETS2 et sur ETS. Et sur les autres jeux d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de vues. Et je me disais pourquoi pas faire une petite... me professionnaliser un petit peu dans le côté de bus. C'était sûr. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un petit truc de voir beaucoup plus de vidéos sur Fermus, une petite série, voilà, où je fais un lot de trajet par exemple, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plairait ce genre de truc, parce que je peux le faire je peux très bien le faire sans aucun souci. D'abord parce que j'adore Fermus, franchement c'est un bon jeu. Oui, bon, je coupe la route, hein, je suis un Tug Life. Hop, troisième. Non, troisième j'ai dit. Oui, bon, en fait, j'ai un petit problème. J'ai pas l'habitude, chef. Oh, un petit rollback. Le pire, c'est que j'ai un tape le moteur, en fait.
Je n'entends pas le moteur. C'est what the fuck. C'est what the fuck. On a 225 km avant d'arriver à Santa Maria. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, par contre, ce que je vois, c'est que mon réservoir de voiture se vide à clin d'œil en fait. Il y a toujours personne, bien entendu. Je suis tout seul. Voilà, est-ce que ça vous intéresserait une petite série comme ça? Ça peut faire sympa. Ça peut faire très très sympa. Voilà. Je vous disais qu'il y avait un truc de la voiture qui me faisait bizarre, mais en fait non, pas du tout. Non, parce que j'ai bien aimé, franchement, je voulais sur ce jeu, tout simplement. Oh! Ça, c'est joli, ça. Ils ont refait les trucs du parking et tout, c'est... Non, c'est bien sympa. C'est bien sympa. C'est bien sympa, voilà, si ça vous intéresserait une série sur Fabius, n'hésitez pas à le dire dans les petits commentaires juste en dessous. Comme ça. Mais j'en ferai, bien entendu. Ah ouais, putain, alors là, c'est la première fois. Alors, avec le Drive Force GT, je pouvais pas atteindre une telle vitesse. Que là, je suis quand même à 220, quoi. Alors là, gare au crash, parce que là, je suis foutu de me planter. Je vais pas le cacher, je suis bien foutu de me planter. Là, je ralentis un peu parce que j'ai vu qu'il y avait un truc. Alors, bien sûr, vitesse à ne pas atteindre chez vous. Oh putain. Vitesse à ne pas atteindre chez vous, parce que sinon, si vous faites choper par les flics, eh bien, bonjour l'amende salée et bonjour le retrait de permis. Rassurez-vous, je n'ai pas atteint. Je n'ai pas essayé d'atteindre cette vitesse. Rassurez-vous. Quoique... Non, je déconne. non, je vais pas atteindre une telle vitesse, vous êtes barjot. Je suis pas barjot à ce point-là. Bon, mais comme ça, on pourra vite arriver à Santa Maria, tout simplement. Ouais, quand même 200 km/h quoi. Oh putain. Non, c'est bon. En fait, je gère mieux avec ce G920 qu'avec le Drive Force GT. Parce qu'en fait, il faut savoir, regardez. Hop, ça se recentre automatiquement. Voilà, il y a comme une sorte de blocage. Il y a comme une sorte de blocage en fait. Que sur le Drive Force GT, en fait, il était libre. Et du coup, eh bien, on n'arrivait pas à centrer correctement. Et ça vient peut-être de là. Oui, bon, je vais vite, mais aussi le réservoir aussi descend vite aussi. Je suis déjà à la moitié, quoi. Regardez-moi ça comme ça descend, bordel de merde. Regardez-moi ça. What the fuck. Allez, hop, vas-y, ça descend, au KLM. Je fais combien? 90 litres 300 avec une voiture, quoi. Mais what the fuck. C'est what the fuck. Voilà, c'est what the fuck. C'est pour ça que la voiture, je la prends très peu. Et pourtant, j'ai fait que 300 km. Hein. 300 km et je vous parie que j'aurais déjà atteint la réserve. J'aurais déjà atteint la réserve, voilà. Donc voilà un petit peu les petites news que je voulais parler. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que tout simplement, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vous laisse commenter la vidéo, je vous laisse vous abonner. Hein, gna gna gna. Je vous laisse laisser le pouce bleu également si ça vous fait plaisir. Ça montrera que le contenu que je suis en train de faire vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire et un abonnement si c'est toujours pas fait. Pour me montrer si vous aimez ou pas. Voilà, ça me fait plaisir de voir ça me fait, franchement, je vais pas le cacher, ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui s'abonnent. Et de voir des personnes qui commentent la vidéo, qui interagissent avec la vidéo, ça c'est un truc qui me fait super plaisir. J'adore répondre, je réponds à tous les commentaires. Il faut le savoir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit abonnement, n'hésitez pas à faire partager bien entendu la chaîne, ça fait toujours plaisir. De voir du monde qui vient. Bref, on arrive à Santa Maria. Voilà, nouvelle ville. Apparemment c'est la seule. C'est la seule qu'il y a dans le jeu. Ouais, apparemment c'est la seule. Une nouvelle ville que je n'avais pas découvert, on n'avait jamais découvert. Et ouais, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais aller réparer quand même la voiture. C'est quand même une solution à envisager. Voilà. Après je dis ça, je dis rien. Allez hop. Hop là. Et les cyclistes, comment ils font?
Ah ouais, pas mal. J'ai jamais testé les suzuglaces en fait sur la voiture. Je les ai jamais testés. Et franchement, ouais, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Allez, éteins-toi. Voilà, bon, où est-ce que je pourrais aller maintenant du coup? Eh bien, on va monter. On va passer, attendez. Je sais ce que je vais faire. Non, c'est pas ça. On va s'arrêter au petit truc ici, là-bas. Voilà, ça vous dit? Allez. Pour finir la vidéo, à fond les ballons. Alors. C'est parti. On fait pas le plein, on est de Tuck Life, on essaye de rouler sans le plein. Bon, 164 km, je sais pas si on va tenir longtemps, mais bon. Bon, pour l'instant, on n'use pas trop, parce que tout simplement... Oui. Alors par contre, dans ATS... Oh putain. Nickel. Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans ATS, tout simplement, il y a des fois... Il nous fait pas... Pas que dans ATS d'ailleurs, dans ATS 2 aussi, il nous fait passer maintenant par les stations-service. Le GPS. Est-ce que c'est logique? Voilà, je ne sais pas du tout. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est logique ou pas, mais en tout cas, c'est bien chelou. C'est bien, bien, bien chelou. Allez! À fond les ballons. On lâche les gaz. Là, on lâche les chevaux. Sachant qu'elle fait que 170 chevaux, je crois, de mémoire. Regardez-moi ça. L'accélération de folie! Ah oui, mais du coup, le réservoir, il recommence à descendre. J'ai atteint le réservoir à moins de 2. Mon dieu. Putain, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça, bordel? Allez, sixième. Regardez-moi ça, la vitesse où elle va, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Voilà. Vous avez atteint la réserve de carburant. Ça, c'était sûr. Oula. Ah, je crois que j'ai loupé la sortie, en fait. Ouais, j'ai loupé la sortie, en fait. Mais ça m'étonne pas de moi, ça, d'ailleurs. Ça m'étonne pas de moi, vous voyez. Hop, parfait. Ah ouais, t'es juste là, en fait. Putain de merde. Voilà ce que je pouvais pas sortir. Ah, si, je pouvais sortir, mais c'est juste que je l'ai loupé parce que je roulais comme un barjo. Ça m'étonne pas de moi, vous voyez. Ah, par contre, je sais pas du tout si je vais réussir à arriver. Là, je voulais arriver. Allez. On va essayer de rouler avec l'élan. Regardez-moi comme ça descend. Allez, tiens le coup. Oh non, on est déjà à 5 km, mec. Il n'y a pas de station, bien entendu. Bon, mais on va tomber en panne d'essence, les amis. Voilà. C'était le bonus de cette vidéo. On va tomber en panne d'essence. Lolilol. Alors du coup, je monte pas par là-haut. Hein, on va passer par là. Y a pas une station service du tout. Ben non. Bon, on est niqué. Nickel. Et c'est sur ce gros fail. Comment s'arrêter? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Voilà. Je vous le dis à la prochaine. Dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. En espérant ne pas se crasher. En espérant ne pas se crasher. Oh putain. Oh putain. Oh putain. What? Allez. En camion. Oh oui. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo, c'est parfait. Ciao tout le monde.